Hello les gens. Them better know how we are run boy. Ooh, mad again. Empire run boy. Them better know how we are run boy. Ooh, mad again. Empire. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo spéciale. Je vais vous raconter mon histoire capillaire du moment à partir duquel où j'ai arrêté de défriser jusqu'à aujourd'hui. Je vais vous raconter toutes mes péripéties, les erreurs que j'ai faites, ce qu'il ne faut pas faire, et des petits conseils pour que si vous êtes dans le même cas que moi ou si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Et que ça puisse vous aider. J'espère que cette vidéo vous aidera, en tout cas pour les filles qui commencent des nouvelles aventures capillaires. Si vous aimez bien mon haut, je l'ai acheté récemment chez Bershka en mode transparent. Il m'a pas coûté cher, hein. Il m'a coûté, je crois, 8 ou 9 euros et c'est tendance à la mode. Il y avait le même en orange et j'ai mis un petit top triangle, je me le mets un peu levé, j'ai mis un petit top triangulaire en dessous pour donner un petit effet. Et puis voilà, on va commencer, on va commencer. J'ai fait des tissages pendant hyper longtemps, jusqu'à un moment donné, même ça a été un complexe pour moi, mes cheveux naturels, parce que je les montrais jamais. Je les montrais plus à l'école en fait. À partir du moment où j'ai commencé à faire les tissages, pour moi, le tissage faisait partie de moi. Donc du coup, quand je l'enlevais, je me sentais nue, je me sentais moche, complexée, j'aimais pas mes cheveux, je les détestais. Pour moi, c'était moche, je ressemblais à rien, je ressemblais à une enfant. Et je sais pas, pour moi, le tissage, j'avais l'impression d'être femme. En plus, j'avais les cheveux lisses, longs, tout ce que j'avais toujours voulu avoir, entre guillemets. Et je kiffais trop ça. En juin 2014, j'ai littéralement détruit mes cheveux. Mais détruit mes cheveux. Je me suis dit, ah, c'était la mode des tie and dye. Je voyais ça partout. Et je me suis dit, bah vas-y, pourquoi pas faire un tie and dye sur cheveux défrisés. N'oubliez pas ça. J'avais un espèce de blond jaune caramélisé bizarre. Mais bon, moi j'aimais bien. Moi j'aimais bien. Mais imaginez-vous l'horreur, j'ai littéralement détruit mes cheveux en fait. Et après, ça ressemblait à rien. J'ai dû tout couper. J'avais un carré hyper court. Après, j'aimais bien. Mais je savais pas que je pouvais pas combiner défrisage et coloration en même temps. Donc voilà, c'était un peu dégâts. En mars 2015, j'ai fait mon tout dernier défrisage. C'est à ce moment-là que je me suis dit, vas-y, habille, reprends-toi. Essaye de prendre soin de tes cheveux. Essaye de découvrir la nature de tes cheveux, de t'accepter avec. Assumer comme ça déjà. Par rapport à mon aventure capillaire, moi je voulais pas faire de big shop. Parce que moi les cheveux courts ça fait 10, je sais que ça me va archi pas. Je détestais, j'étais encore un peu complexée d'essayer de m'assumer. Donc du coup, pour moi avoir les cheveux courts c'était impossible. En plus j'aurais pu faire aucune coiffure. Donc du coup j'ai décidé de faire une transition en fait. Donc de laisser mes racines pousser au fur et à mesure et couper les longueurs au fur et à mesure. C'est ce que j'ai fait. Et au bout de 8 mois, parce que ça, franchement, ça ressemblait plus à rien. Ça ressemblait plus à rien. C'était hyper chaud la transition. Et au bout de 8 mois, j'ai décidé de faire un big shop. Donc, de tout couper. Ça faisait un an que j'étais naturelle. J'ai commencé à avoir vraiment ma petite touffe et tout. Franchement, c'était mignon. C'était genre Michael Jackson, you know, Jackson 5. J'avais la touffe là, toute court. Ça me faisait archi bizarre, mais je laissais jamais mes cheveux dehors. Faut savoir que je laissais jamais mes cheveux dehors et c'était trop court pour les attacher. Après 2 ans, c'est là que j'ai commencé à essayer de faire mes premiers twist-out parce que ça tenait pas. Quand je faisais des twist-out, quand ils étaient en transition et tout, ça tenait pas. Et même quand ils étaient naturels, au début, ça tenait pas. Mes cheveux étaient assez durs et tout. Puis tout au long de l'année, les coiffures que je faisais pour essayer de faire pousser un petit peu plus mes cheveux, ça marchait bien. Et il faut savoir que moi, j'ai toujours lissé mes cheveux une fois par an. C'est maintenant que je commence un petit peu plus à les lisser, mais j'ai toujours lissé mes cheveux une fois par an pour éviter de les abîmer et d'avoir du heat damage. Ensuite, novembre,
fatidique où j'ai fait un lissage qui m'a bousillé mes cheveux. Vous pouvez le voir, j'ai fait une vidéo, je la mettrai là. Où j'utilise le Steam Pod et cette vidéo-là. Franchement, mes cheveux se sont cassés comme du n'importe quoi. Franchement, si tu es africaine, faut pas utiliser Steam Pod. Parce que Steam Pod, là, ça va casser tes cheveux, j'ai dit. Non, franchement, le Steam Pod, là, il m'a bousillé les cheveux d'une manière vous n'imaginez même pas. Je vous ferai une vidéo où je vous montre comment je lisse mes cheveux, comment avoir un lissage parfait, perfecto, comme les américaines. Là, quand tu fais un, ça vole, quand tu fais rien, ça vole. Mais vraiment, souple, avec n'importe quelle texture de cheveux. Il faut juste avoir un bon lisseur. Je vous montrerai dans une de mes vidéos update lissage. Et en même temps, je vous parlerai du Steam Pod, les points positifs, les points négatifs. Et il est plus adapté à quelle texture de cheveux. Et puis vers la fin de l'année 2017, c'est là que j'ai commencé à mettre mes toutes premières perruques, que j'ai commencé à tester, d'en acheter, d'en faire moi-même. Franchement, j'étais vraiment hyper contente et tout. Ça m'allait bien, j'étais cute. Et puis j'ai commencé à de plus en plus soigner mes cheveux parce qu'il s'avère qu'après 2 ans naturels, j'ai eu beaucoup de casse, donc j'ai dû recouper mes cheveux du coup. En janvier 2018, ça allait beaucoup mieux déjà au niveau de mes cheveux. J'ai pu récupérer en santé, notamment au niveau de mes cheveux, pas spécialement en longueur, mais plus en santé. En août 2018, c'est là que j'ai décidé de couper mes longueurs, j'ai coupé quand même pas mal. Ensuite, en septembre, j'avais comme... Franchement, à partir du moment où j'ai coupé août, c'est un mois d'écart, mais franchement, il y a une différence, on peut voir la différence. J'ai récupéré quand même pas mal de longueur. Ensuite, un mois après ou un mois et demi après, je suis repartie dans un autre salon, celui auquel je voulais vraiment aller. Ça s'appelle le King... Attends, c'était quoi encore ? Kingdom Beauty, un truc comme ça, sur Bruxelles, ça m'adou. Franchement, c'est un bon salon de coiffure, hein. Si vous voulez y aller, c'est un bon salon de coiffure, bref. Et donc, j'étais là-bas et on m'a lissé les cheveux. Et puis, franchement, j'ai eu un résultat de malade. Je pensais jamais que je puisse, un jour dans ma vie, avoir les cheveux aussi lisses. Malheureusement, j'ai dû couper énormément dans mes longueurs parce que j'avais énormément de fourches puissance 10 milliards. Genre, imagine toi, ton cheveu, il arrive là et tu dois couper limite ça de fourche. Alors que tu t'es bagarré avec tes cheveux pour les faire pousser. Hey, tu t'es bagarré avec tes cheveux pour les faire pousser, tu dois couper ça. Donc du coup, on a décidé de couper la moitié. Et au fur et à mesure que moi je coupe, au fur et à mesure que je reparte au salon. Mais voilà, c'est ce que j'ai décidé de faire. Et voilà, et en mars... Ben là, ce mois-ci, dans 2 jours, ça va faire 4 ans que j'ai pu défriser mes cheveux. Et franchement, je suis trop fière. Les conseils que je pourrais vous donner au niveau de vos cheveux, c'est vraiment avoir de la persévérance. Trouver les produits que vos cheveux vont aimer. Je vous ferai des revues sur certaines gammes capillaires que j'ai vraiment bien aimées. Notamment les produits Activilon. Enfin, une seule gamme en particulier, mais bon, bref. Vraiment, il faut avoir de la patience. Je sais que si vous voulez avoir les cheveux longs, il faut avoir de la patience et des fois, il faut oublier. Parce que si vous vous focussez sur le fait de que vous voulez que vos cheveux poussent, ils ne vont pas pousser. Vous n'allez pas les voir pousser. Quatrième conseil, faire attention à maintenir vos longueurs. Très, très important parce que vos cheveux à la racine ils vont toujours pousser, mais si vous maintenez pas les longueurs, ça va se casser et vous aurez l'impression que ça va jamais pousser. Je vous conseille aussi les poudres indiennes. Moi, ça a marché de ouf sur mes cheveux par rapport à quand j'avais mon afro, et maintenant au niveau de la texture de mes cheveux, ça a changé. Vous le voyez, ça a changé. Et au niveau santé, je vois, mais ça, franchement, ça a amélioré la santé de mes cheveux. Et cinquième ou sixième conseil, coupez vos pointes régulièrement. N'attendez pas que ça fasse 6 mois ou 8 mois pour couper, parce que si vous avez des fourches, ça va remonter au fur et à mesure, comme moi j'ai eu le cas et que j'ai dû couper vraiment beaucoup. Et ça m'a fait mal. Mais bon, les cheveux, ça pousse toujours par rapport à quand je les avais lissés, quand je les ai lissés, quand j'ai coupé et quand je les ai lissés maintenant.
Franchement, j'ai vu qu'ils ont poussé de dingue hein, en 3 mois. Et surtout, 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 privilégiez les coiffures protectrices parce que moi, ça m'a énormément aidé. J'ai l'impression que mes cheveux, ils poussent beaucoup plus vite quand je fais des coiffures protectrices que quand je laisse mes cheveux comme ça à l'air libre parce que, voilà, c'est beaucoup de travail de garder les cheveux comme ça dehors. Mais voilà, en tout cas, moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, on se revoit à la prochaine. Et dites-moi si vous aimez bien ce genre de contenu, si vous voulez des conseils, vos cheveux. Et puis voilà. Mouah.